vaut mieux être chez Bombay et Musique que d'être seul. Sam, c'est l'équipe. SP, SP. Gros, j'espérais jamais te changer, ni te couper de la rue, mais j'aimerais que tu fasses exploser ce putain de potentiel au plus haut niveau. T'es l'un des meilleurs MC de l'Hexagone, mais on tourne en rond, mon frère. Il faut voir plus loin que le coin de ta rue, mon frère. Tu le mérites tellement. Je peux pas vraiment dire de quoi sera fait la suite. Je te parle là, on est le 29 avril, je connais même pas la date de sortie de mon album, alors mon avenir dans le rap. Et puis ça dure quoi la carrière d'un artiste? On dort 5 ans, 3 ans, 1 an. Venez pas me dire que faire du bon rap ça suffit à durer éternellement. Non, ça dépend tellement de paramètres. Ils sont des bêtes MC comme la Clica, des bêtes de groupe comme Express D, comme les X-Men, les Démocrates. Il est où Fab? Il est où mon frère Diable Rouge? C'était l'un des rappeurs les plus buzzés de sa génération. C'est pour ça que j'avance en essayant de pas perdre ce truc d'il y a 15 ans. J'arrive pas moi à écrire sur commande, à planifier ce qui me révolte. J'ai besoin de kiffer, kiffer avec une boule dans le beat, kiffer avec la rage, la force, la foi. Faire qu'aujourd'hui dans ma tête et dans mon cœur, ça soit un peu comme 15 ans en arrière. One love. Voilà un peu la partie, la fin de ce morceau 15 ans en arrière. Voilà, forcément ça arrivait pas mal de souvenirs. Hein. C'est lourd et émotionnellement en termes de souvenirs. Parce que le morceau il me touche, mais ça me rappelle l'état dans lequel j'étais en fait. Mmh. Quand quand j'ai écrit ce morceau, j'étais quand même pas mal malheureux, je crois. Et surtout, enfin, maintenant je le sais, sur le moment je pars en orgueil de. En fait, t'as laissé ton cœur parler. Ouais, mais je crois qu'il y avait un peu de ras-le-bol, de saturation et tout. Mais, ouais. Mais c'est bien, c'est des vrais instants de vérité. Parce que c'est marrant parce que ça, c'était en 2009 en l'occurrence. Bientôt, ça fera 15 ans. Mmh. Et du coup, j'ai eu raison de vivre ça il y a 15 ans. Parce que aujourd'hui, par contre, c'est tout le contraire. C'est la joie, c'est la vie au top. Surtout quand tu dis que la carrière de rappeur, ça ressemble à une garde à vue. Tu sais quand tu rentres, mais tu sais pas quand tu vas sortir. Ouais, exactement. Bien adoré ça. Ouais, bah là, j'espère rester encore longtemps en garde à vue. Là, je suis bien. Là, je suis heureux. Ouais, et quand tu dis aussi que tu préfères arrêter le rap avant que le rap t'arrête. Ouais. Et là, tu penses que ta carrière aujourd'hui est arrivée à son crépuscule? Non, je pense pas que je suis arrivé à mon crépuscule. Par contre, je suis dans ce que j'appellerais une parenthèse enchantée. C'est-à-dire. Moi j'ai l'impression, en fait tout ce que je voulais cocher, tout ce que je voulais réaliser comme rêve en tant que rappeur, puis par la suite en tant que producteur, à travers le label et tout, des feats que je voulais faire, des collaborations, des reconnaissances, des validations que je voulais, l'argent que je voulais gagner, des objectifs commerciaux, je vais pas mentir, je les ai tous réalisés. Et donc je suis béni de Dieu d'avoir pu vivre ça. Et donc tout ce qui arrive maintenant depuis 5 ans, pour moi, je suis dans un espèce de bonus enchanté. Je pensais même pas arriver au premier objectif ou la moitié du premier objectif. Ouais. Et là, je suis au-delà de ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je suis en Guinée aujourd'hui, on fait un stade. Ouais. Qu'est-ce que je te dis? J'ai sorti un super album, Neptune Terminus. Vraiment, la vie est belle et je suis béni. Super. Comme tu le dis, ce n'est pas une question d'âge, de chiffres, de stats. Aujourd'hui, on parle surtout de rage, de kiff et d'espoir. L'autre chose que j'ai remarqué après 2009, il y a 3 ans, entre tes albums, c'est voulu ou c'est fait exprès? Non, ça doit être un timing de flemmard parce que je crois que je décompresse beaucoup très fort. Timing de flemmard. Ouais, parce qu'en fait, souvent ma production, ils m'ont souvent dit fais des albums plus à des rythmes plus élevés, mais j'y arrive pas. J'ai failli faire ça avec Neptune Terminus, c'est sorti en 2021, mais c'était prêt depuis 2020 et le Covid est venu et m'a tué. J'ai pas pu faire mon un an et demi, deux ans entre deux albums. Mais là bientôt il y a une réédition qui va arriver de Neptune Terminus, et une grosse réédition qui est comme un nouvel album, mais ça va arriver vite, ça va arriver là. Et l'album il est sorti pourtant il y a quoi, 10 mois, mais je reviens déjà. Super. Alors, on sait très bien, papa lui faisait de la rumba. Ouais, exactement. Mais toi, tu as choisi un autre chemin, pourquoi? Parce que j'étais moins fort que lui déjà. Tu vois ce que je veux dire? Donc ceux qui font de la rumba sont plus forts que ceux qui font du rap? Non, papa était particulièrement un génie. Moi, tu peux pas te comparer à lui en termes de rumba. C'est-à-dire que même les spécialistes de la rumba n'arrivent pas
à arriver à son niveau d'envergure. Alors moi, je qui suis pas un spécialiste, non. La musique de ma vie, de mon environnement et de ma génération, c'est le rap. C'est le fait que tu sois parti en France très tôt, oui, qui a influencé la vie de quartier en France, dans la vie de banlieusard en France. Mmh. C'est le rap, notre faire la musique qui était dans tes perspectives, ou bien c'est quand tu es arrivé en France que ça a changé. On m'a pas formé à la musique, mais moi je suis un Africain, donc je crois à tout ce qui est lié au gène et au karma de la famille et tout. Donc des fois les gens ils me disent par rapport à la musique tu dois rien à ton père. Moi je pense que si. Mmh. Forcément il y a un écho quelque part. Mmh. Sur le moment tu me disais, j'aurais dit non, rien à voir, je m'en fous. Mmh. Et en fait si ça a à voir, ça a un rapport total. Mmh. Et le rap a été ma meilleure forme d'expression, donc c'est ça, voilà. Et du coup quand à un moment je suis arrivé, on va dire, j'ai pris de l'envergure. Bon, je disais cette rime là, avant on m'appelait le fils de Taboulay. Mmh. Maintenant pour appeler Taboulay, on dit le père de Youssouf. Mmh. Super. Youssouf avec nous ce soir sur Radio Espace. Voilà, synchro sur toutes les radios Adafo Média. Avec nous, on va évoquer pas mal de choses. Vous aussi, je vous invite à participer à l'émission. Il n'y a pas de souci, c'est permis. Vous envoyez un petit texto sur le 657 39 13 13. C'est possible aussi sur WhatsApp. Et puis voilà, on passera vos messages en direct puisqu'on ne pourra pas prendre beaucoup d'appels. Donc du coup, avant que tu arrives, deux semaines avant ton arrivée, on a fait un petit concours, Sigissa, qu'on appelait Sigissa. Donc on a lancé Sigissa, le ça c'est pourquoi ça c'est Sigissa, c'est ouais c'est en fait c'est un jargon dans notre langue. Ouais. Dans notre langue du Tierwa qui veut dire chanteur Sigissa. Okay. Donc on a une langue qui est le Soussou. Okay. Donc Sigissa en Soussou ça veut dire chanteur. Donc okay, on a lancé le concours exclusivement entre les rappeurs. Okay. Donc ils se sont affrontés ici même à la radio en direct pendant deux semaines. Génial. Et d'où les traces de sang sur les murs. Exactement. Okay. Et à la fin, on a eu un vainqueur. Il a regardé le mur quand même. Hein. Le gars, il sait qu'il a fait du mal ici. Donc il a vérifié. Ah ouais, j'avoue. Le mec, il est là. Avant la fin de l'émission, on va le faire venir. Vous allez faire connaissance. Après, okay. Il s'appelle Stoner. Voilà. Stoner, ok, j'aime bien le nom. Après, tu vas donner, on va dire, tu vas donner tes appréciations. Ok, machin et ça tout. Ça va me rappeler ma vie de jury dans The Voice. Exactement. alors, on va parler de ton enfance également. On sait que tu n'as pas été très heureux, ça n'a pas été un long fleuve tranquille et tout. Non. On va parler aussi de ta daronne. Ouais. La daronne, le daron, enfin on a parlé du daron. Surtout la daronne, parce que tu évoques beaucoup la daronne dans tes différentes chansons. Ouais. Moi j'ai relevé trois chansons dans lesquelles tu parles de ta daronne. Ouais, exactement. Voilà. Sa disparition, ça a beaucoup joué sur toi. Ouais, bah parce que peut-être que j'en parle beaucoup, parce que le fait qu'elle soit pas là, je compense. Je sais pas, après je suis pas psychanalyste, mais et puis avec le temps, je crois que j'en parle beaucoup pour que mes enfants qui l'ont pas connue puissent savoir qu'ils avaient. Il y a une douleur aussi qui est là au fond. Tu aurais voulu qu'elle soit là, par exemple, assister à toute cette gloire là aujourd'hui dans laquelle tu es. Oui, on est des Africains. Enfin, je dis on est des Africains, mais c'est pareil dans toutes les cultures, mais encore plus dans la nôtre. Les parents, les efforts qu'ils font, c'est pour voir le fruit de ce qu'ils ont créé. Et moi, effectivement, j'ai la chance aujourd'hui d'être heureux et d'avoir accompli 2-3 trucs. Mmh. Enfin, c'est pas cliché de dire que oui, elle est à l'origine de ça. Elle a fait beaucoup de sacrifices, notamment pour que je vienne en France, et tout ce qui s'est passé par la suite. Ben en fait, c'est ce qu'elle a senti, ce qu'elle a lancé. Mmh. Et du coup, c'est un peu sa récompense. Donc du coup, je suis un peu frustré que elle bénéficie pas de son vivant, du fruit de son travail. Super. On va en parler dans un instant sur Radio Espace. Vous restez avec nous. On se lâche spécial avec le lyriciste bantou, le prince parolier Youssoufa, avec nous. Lui-même. Allez, à toutes. Événement Adafo Events. À la fois fougueux et léger, l'un des grands noms du One Man français les plus connus au monde. La légende du rap français débarque à Conakry et à Boké pour un concert d'anthologie. Si le rap est ce qu'il est, c'est aussi grâce à Youssoufa. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois mille. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. À ses côtés, Klim Poco, Sagnolik, Douda Inch'Allah, Tech G43, Gianni Alpha, 36 States, 2HR. Le 14 janvier, au stade Petit Souris de Nongo et au stade du 1er mai de Boké. Entrée, 10 000 francs guinéens. Seulement 10 000 francs guinéens. 15 ans, Radio Espace Guinée, à jamais première. Avec Kamsar Petroleum, le groupe Geekopress et VDC Télécom, la solution avancée en IP.
Entre poèmes et vulgarité, je nique mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. Envoie ce son à trois personnes de ton entourage, qui l'enverront à trois personnes de leur entourage, qui l'enverront à trois personnes de leur entourage, qui l'enverront à trois personnes et ainsi de suite. Je suis en pleine fuite au moment où je te parle. Faut pas que je sois en pleine cuite, que le bon Dieu m'épargne. Je me répare malgré la rue et ses méfaits, dans une époque où ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. Tout ce qui m'effraie, c'est le refrain que nos légendes gênent. Ultime séjour, les mauvais jours pour les gens que j'aime. Mon oxygène, c'est quand je veille près de vous, et mon public est somnambule, je rappe des histoires à dormir debout. Alors je me bouge entre dédales et cris de colère, entre étoiles et vides poèmes, entre meilleurs freestyle et pires poèmes. J'ai mille problèmes, tant de soucis, mais tellement d'inspi. Si j'avais eu un psy, il aurait eu besoin d'un psy. Tout ça m'inspire pour vivre et lutter. Mes rimes sont réputées, mais ce ne sont pas mes rimes qui vont vous éduquer. Ce rap game est truqué comme une pub. Ils prétendent tous faire du lourd, alors je reviens léger comme une plume. Le passé lourd comme une enclume, mes démons me la prennent. Demain c'est loin, notre futur c'est la seconde après. J'étais pas prêt, sorti des bas-fonds. L'histoire y'a ceux qui la lisent, ceux qui l'écrivent et à ceux qui la font. Toucher le plafond, rêveur et indépendant. Être patient c'est pas attendre, pour moi c'est agir en attendant. Alors pendant que ce pays me prend pour un intrus, je prends mon temps, en dilettante, laisse tourner l'instru. Je suis paro comme un stup, sur le déclin. Selon l'humeur j'écris des vers à moitié vide ou à moitié plein. Plein d'ironie, mes contradictions deviennent des impasses. Moi je suis un genre d'alcoolique avec une licence 4. Je suis une puissance calme, ne porte pas de gun. Silencieux sont les batailles, alors fermez vos gueules. Vous n'êtes pas seul, n'ayez pas peur, on tolère tous les genres. Je fais pas du rap pour les rappeurs, je fais du rap pour les gens. C'est pour les bêtes et méchants, les têtes et les jambes, les thèmes et les textes de légende qu'on a écrits pour s'engager. Même si je sais qu'on peut avoir le bon message tout en restant un mauvais messager. Je viens cracher mes états d'âme et mes cas de conscience. Y'a que les connards qui vont croire que c'est du rap conscient. Pourtant je n'ai pas conscience, même en mes propres dires. Entre rire de déprime et larmes de crocodile, pas de gros deal que des risques forts. Maintenant que j'ai plus de maison de disque, j'ai une maison de disque d'or. Triste sort face au charbon, il fallait du cran. Mais je cherche pas à être bon, je cherche à être grand. J'ai pas de clan, je préfère éviter. Parano, je crois toujours aux mensonges et doute souvent de la vérité. Quelle idée, vu qu'ici je tourne dans le même schéma. Parfois je doute, parfois je pense à retourner chez moi. Laissez-moi libérer mon gospel. La France ne reconnaît pas les communautés, mais nous traite comme telles. Quand les gens sont boycottés, forcément ils se lassent. Quand on met les gens de côté, forcément ils s'éloignent. C'est pas les lois qui font les hommes, c'est l'inverse. On témoigne sans respect, un signe de paix, sans l'index, sans deck. Les beaux parleurs peuvent mentir, c'est les actions qui comptent. J'écoute pas ce que les gens disent, je regarde ce qu'ils font. Je mens pas de ce qu'ils sont, je ne vois qu'un cœur. Quand on voyage, le monde devient plus petit, alors il fait moins peur. Viens, on prend de l'ampleur, quoi, viens, on fait une pause. Et s'il y a quelqu'un près de toi, check le de l'épaule. Et je me pose, authentique dès le départ. C'est plus facile d'assumer ce qu'on est que d'imiter ce qu'on n'est pas. Que Dieu m'épargne de l'aigreur de perdre ma voix, et qu'il m'épargne de l'erreur de perdre ma foi. Vous êtes ma flamme, je suis fou et malhonnête, mais tous les jours je me soigne et j'apprends à vous connaître. Comme dit le poète, je le cite et je le chante. Faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Ça tourne comme un sample de Paris à Dakar. L'amour nous manque, prends ce texte comme une sadaka. On reste calme avant le carnage qui m'aime me suive. Je cherche la paix pour mon karma, moi-même je suis bipolaire entre poèmes et vulgarité. Je nique mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. Envoie ce son à trois personnes de ton entourage, qui l'enverront à trois personnes de leur entourage, qui l'enverront à trois personnes de leur entourage, qui l'enverront à trois personnes et ainsi de suite. Et ainsi de suite, et Youssoupha, et ainsi de suite. C'est pas de la crack musique, c'est de la love musique. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. MA3, troisième en d'un cran. Écriture, écriture, écriture. L'écriture, écriture. Vous êtes plutôt Kekson. Toi t'as que le temps de parler, pas d'agir. Ashley. Sister Lessa.
Kélaqué. Kélaqué est dans le game, mais ses rappeurs de même temps se cachent. Bah oui, on vous comprend. Nous aussi, on est à fond là-dessus. Vous en avez fait les phénomènes de l'année. Vous les écoutez depuis leur début sur Radio Espace. En concert le 14 janvier au stade Petit Souris de Nongo et au stade du 1er mai de Bouquet. Entrée 10 000 francs guinéens, seulement 10 000 francs guinéens. Youssoufa, le 14 janvier au stade Petit Souris de Nongo et au stade du 1er mai de Bouquet. 15 ans de Radio Espace Guinée, ça se fête. Avec Kamsar Petroleum, le groupe Geekopress et VDC Télécom, la solution avancée en IP. Son micro ne puisse pas le nier. Si ça part dans les insultes, évite la remet. Si de la punchline tu rates la chute, hésite pas remet. C'est freestyle le mais. Je te parle pas de shit et de sky mais. Bien de la street et c'est racaille même. Je rappe toujours frais, on dirait je suis tout nouveau. Vous rappez tous pareil, on dirait une Corée de Kuduro. J'ai tout le boulot, le cœur en saison hivernale. Mon frère, la tête sous l'eau, attend d'être enfin libérable. En fait, un enfermé qui s'évade. C'est rare comme Jean-Pierre Pernaud qui donnerait la parole à. Nos ennemis nous séparent, la guerre à base de coups de pute. Qui parle de rap game, ça fait longtemps que je ne joue plus. J'ai plus le temps des pourparlers. Nos vies sont tellement brèves, si on en fait un film, on l'appellerait court-trage. Mais le courage est de mise, un seul homme visionnaire. J'ai un débit dont ville de Kin, appelle-moi Slumdog millionnaire. Comme tous ceux qui viennent d'Afrique pour rouler en gamos. Qui grandissent sur une terre battue, mais pas celle de Roland Garros. J'arrose la poisse qui m'escorte, comment me projeter. Le bonheur à ma porte, mais faut que je passe le seuil de pauvreté. Je pense à mes oncles sans papier, c'est dramatique. Mais pour des faf, ils pourraient reconnaître la gosse de Rachida Dati. Oh, on nous baratine malgré l'effort. Pas attendu la crise pour voir que la misère est forte. La Guadeloupe se révolte, la France est éclatée. Tu croyais voir la compagnie créole, t'as eu le LKP. Rescapé grâce au succès, je suis pas un délinquant. Mais je reprends le métro pour retrouver l'inspire d'il y a 5 ans. Eh ouais, j'ai changé, je le montre. Désormais j'écris mes textes engagés dans le journal Le Monde. Retiens mon nom d'analphabète, tu veux que je faiblisse. Si je t'ai traité de con, bah considère que c'est un euphémisme. Trop d'ennemis dans le complot sans crier gare. Remarque ceux qui parlent dans mon dos, seul mon cul les regarde. Je reste à l'écart, mais dans la machine, je suis le gravillon pour enrayer Paris avec Marie, mais l'effet papillon. Ok, yeah, je te l'avais dit que t'avais jamais entendu de rap. J'avance les yeux fermés, les poings serrés, l'estomac noué. J'ai tous mes membres pour le moment, que Dieu soit loué. J'ai pris des coups, oui, je dois vous l'avouer. Mais que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. J'avance les yeux fermés, les poings serrés, l'estomac noué. J'ai tous mes membres pour le moment, que Dieu soit loué. J'ai pris des coups, oui, je dois vous l'avouer. Mais que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Depuis que j'excelle dans la musique, certains amis sont devenus adversaires. C'est ironique comme de mourir le jour de son anniversaire. Fais ton chemin frère, touche pas à ma roue. Je suis une Black Panther comme la mère à Tupac à ma roue. Je vois rouge dans ce rap français et son contexte. Je refuse de partager ses doutes et porter ses complexes. Tu fais du rap mais tu fuck les states pathétiques. Où t'as vu un reggae man d'ici qui nique la Jamaïque. Soyez pas naïfs, je vais soigner ma hive. À la force du poignet même éloigné de ma rive. C'est loin l'Afrique, je suis condamné sans jouer les stars. Mais si je tombe, mettez-moi dans la même cellule que Joe Star. Ça permettra de ne pas couper du hip-hop. Entre Snoop et Lollipop, j'ai mes couplets dans l'hip-hop. Mon pote, les rappeurs sont des pâles copies. Pour sortir ma musique de la crise, j'ai plus besoin d'un spi que d'Adopi. Vite adoptive de Marianne la mégère, devenue ma marâtre, défavorable à mes gènes. Et j'aime quand sur le net tu ouvres ta bouche, mais attention, le wall de ton Facebook sera le mur de tes lamentations. La tentation de Bambata est révolue. J'ai la sensation d'un rap où le discours n'est même plus reconnu. Où les MC lance des clashs pour s'égayer. Mais dans le freestyle au style 2006, c'est pas Medine qui bégayait. Effrayé par la mort dans mes missives. Car au fond la vie n'est qu'une maladie sexuellement transmissible. Je reste invisible mais dans la machine je suis le
le gravillon pour enrayer Paris avec Marie, mais les faits partis. J'avance les yeux fermés, les poings serrés, l'estomac noué. J'ai tous mes membres pour le moment, que Dieu soit loué. J'ai pris des coups, oui, je dois vous l'avouer. Mais que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. J'avance les yeux fermés, les poings serrés, l'estomac noué. J'ai tous mes membres pour le moment, que Dieu soit loué. J'ai pris des coups, oui, je dois vous l'avouer. Mais que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. J'avance les yeux fermés, les poings serrés, l'estomac noué. J'ai tous mes membres pour le moment, que Dieu soit loué. J'ai pris des coups, oui, je dois vous l'avouer. Mais que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. J'avance les yeux fermés, les poings serrés, l'estomac noué. J'ai tous mes membres pour le moment, que Dieu soit loué. J'ai pris des coups, oui, je dois vous l'avouer. Mais que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, frère. Merci pour le talent qu'il nous accorde pour pratiquer cet art qu'est le rap. Black music, c'est l'effet papillon. L'effet papillon, c'est quand je lâche un rap à des kilomètres de toi. On se connaît même pas. Et t'es posé chez toi dans ton MP3 ou ta Gova. Et regarde comme tu bouges la tête. C'est l'effet papillon, ça. Un hip-hop où le message d'un seul peut nous faire bouger par millions. Hey, Maître Gims, merci pour la vibe. Big up à la section d'assaut. Kinshasa, Kinshasa. Pour Maillet Music. Yeah. Ta 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 ta. T'avais jamais entendu te rap français. Parmi nous, chacun s'interroge sur le sens de sa vie. Qu'est-ce qui nous pousse ? Est-ce la quête du bonheur ou la fuite des mauvais jours ?